Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de parcourir la distance en chevauchant un sanglier ou un loup. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des sangliers et des loups de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre ici à Shifty Shaft. Donc là, juste ici, il y a un enclos avec un sanglier, voire même plusieurs. Et ce que vous allez faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement sauter sur le sanglier, voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez même descendre, regardez, le sanglier en fait vous appartient et il restera à vos côtés et il vous aidera même pendant les fights. Donc en fait, ce que vous allez faire, donc pour le dresser, on va dire, il faut absolument sauter dessus. Et c'est pareil avec les loups. Ensuite, ben, vous pouvez carrément ben, voyager avec le sanglier, voilà. Vous pouvez même infliger des dégâts aux adversaires. Hein. Bon, attendez, je vais essayer d'infliger des dégâts au personnage. Hop, regardez. Bon, après, c'est pas vraiment le but du défi. Le défi va juste vous demander de parcourir une certaine distance avec ce sanglier ou alors avec un loup. Donc, dès que vous aurez parcouru la distance avec le sanglier ou le loup, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace.